Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Laetitia de la chaîne Comme Trois Pelotes. On parle ici essentiellement de tricot, de crochet, quoique en ce moment pas trop, plus du filage. Et puis voilà, les arts créatifs, tout ce qui tourne un petit peu autour du fil. Donc je reviens vous voir pour vous faire un petit bilan de ma semaine. Alors, cette semaine, j'ai tricoté, j'ai un ouvrage fini, j'ai une avancée toujours en cours, et j'ai fait du filage et je suis en train de réfléchir à mon suivant. Ah si, j'ai redémarré, comme j'ai fini un projet, j'en ai redémarré un autre, mais on parle de chaussettes là, hein, voilà. Donc du coup, on en finit une, clac, on en enchaîne une autre. Et puis mon pull. Tout d'abord, je vais vous montrer ma paire de chaussettes. Terminée. Donc là, voilà. Alors, je vais passer à la machine à laver. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu froissée parce que j'ai pas de bloqueur. Donc, hop, il y en a bien deux. Donc, j'ai pas fait les pointes en couleur contrastante parce que quand je l'ai démarré, j'ai oublié, tout simplement. Donc, voilà, c'est pas grave. J'ai fait les talons et puis les poings et les côtes. Alors, les côtes, je suis assez contente parce que c'est relativement élastique. Et donc c'est du rabat tubulaire. Et je trouve que ça a un joli rendu. C'est vraiment un joli rendu. Je commence à le rabat avec l'aiguille là. Je crois que c'est tubulaire. Hein. Je trouve que je commence à bien le maîtriser. Voilà. Voilà, donc c'est cool, je suis contente. Donc c'est des chaussettes pareilles, pas pareilles, hein, parce que les dessins sont pas du tout, ne se suivent pas, mais bon, je m'en fiche complètement. Voilà, la laine, c'est de la Fabel. Voilà, ça fait vraiment un petit truc là. Hein. Alors je sais pas si vous entendez parler à côté, j'ai mon mari qui est en train de faire les travaux et qui est en fait au-dessus. Voilà, je vais le rejoindre d'ailleurs après, parce que on a encore pas mal de boulot. Bref. Donc, si vous entendez un petit peu de bruit, je m'en excuse. Donc, voilà. Et donc, elles sont différentes. Voilà. Mais bon, j'aime beaucoup cette laine. Je la trouve très chouette. Alors, du coup, quand j'ai eu fini ça, je me suis dit, bah, j'en monte une. Je ne savais pas trop quelle laine utiliser. Et en fait, il me reste un petit peu des plottes, des deux. Donc, je les ai pesées. Je les ai pesées, je me souviens plus combien il me restait. Je crois qu'il me reste 25 de celle-là et 40 de celle-là, un truc comme ça. Donc je me suis dit, je vais les combiner, je vais faire quelque chose pour utiliser toute la laine. Et donc voilà ce que j'ai fait. Voilà, donc. Donc bah j'aime bien, c'est marrant. C'est pas tout à fait. C'est marrant parce que là, on voit sur cette rayure-là qu'elle est différente de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc je pense normalement, je devrais. Comme il me restait plus de violette, je pense qu'avec. Normalement, ça devrait le faire. J'espère. Voilà. Donc j'ai démarré ça. Toujours en aiguille 2,5 et je les tricote donc pas en même temps. Et du coup, j'ai regardé, je sais plus la vidéo de qui, si, de Nathalie, de Simone et Ginette. Et donc, j'ai vu une laine passer qui a été commandée sur Butinette et que j'ai trouvé très chouette. Et je connaissais pas ce site, donc je suis allée me promener un petit peu sur ce site-là et j'ai trouvé des choses. Alors, j'ai pris la laine à chaussettes et puis j'ai pris une autre laine et je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, bon, c'est pas grave. Je vous montre. En laine à chaussettes, j'ai pris ça. Avec du bambou. Voilà. Alors, la couleur, c'est assez doux. Le fil est très, très, très retordu et très, très élastique. C'est marrant parce que quand on regarde de près, ça fait presque des petits, comme des petits ressorts. Je sais pas si vous voyez. Si je pense qu'on voit bien là. Ça fait vraiment comme des petits ressorts. C'est assez rigolo.
Et quand on tire dessus, hop, ça s'étend vachement. Voilà, donc je vais essayer ça. Il y a 100 grammes. 100 grammes, qu'est-ce qu'on a? 63 grammes polyacrylique, 30 grammes de viscose et 7 grammes de polyester. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de laine en fait, hein. Pourtant, il est marqué bambou soc et je vois pas de bambou. Ouais, c'est étonnant. Il y a marqué bambou, mais je vois pas de bambou. Voilà. Celle-là, je la trouve chouette. Celle-là, je la trouve trop belle. J'adore celle-ci. C'est de la laine à grossa, je crois. Ouais, c'est ça. Laine à grossa. Elle se tricote en 2,5-3 et l'autre 2,5-3 aussi. Voilà. Celle-ci, il y a 80% de laine vierge et 20% de polyamide. Voilà, bah, je la trouve trop trop jolie. J'adore les couleurs. Voilà. Et puis j'ai pris de la noire pour me servir de contrastant. Donc, et avec celle-là. Et avec celle-là. Et puis j'ai acheté ça. Relanagan, Tencel Bambou. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à ce type de laine. C'est tout petit, petit, petit. Vraiment. Je voulais utiliser ça pour faire avec mes laines filées. Mais ça ne va pas du tout. C'est beaucoup trop petit. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Pourtant, il me semblait avoir regardé le. Avoir regardé le. Comment dirais-je, les aiguilles à utiliser. Là, ils mettent 2,5, 3,5. Et c'est 50 grammes de 110 mètres. Donc, c'est une light fingering. Mais elle est vraiment très, très fine, quoi. Donc, si je prends une de mes laines à côté, ou alors, il faut la tricoter en double, quoi. Mais ouais, je pense pas que ça le fasse, du coup. Hop, alors, j'arrive pas à attraper un fil. Voilà. Regardez la taille du fil. Et si on prend un de mes fils, ça va pas être terrible, terrible, hein. C'est beaucoup trop fin. Voilà. Donc c'est pas grave. Je pense que celle-ci, je peux m'en servir dans les chaussettes aussi. Les chaussettes. C'est quoi la composition? Tencel bambou. Est-ce que je peux m'en servir pour les chaussettes? Bonne question, en fait, j'ai comme un doute. Alors, en plus, j'en ai acheté 6, hein. Bon, après, je pourrais les retourner, mais bon. Je pense que je pourrais en faire quelque chose. Si vous avez une idée, dites-moi. À votre avis, est-ce que je peux m'en servir pour mettre dans les chaussettes, déjà? Parce que je pourrais faire des chaussettes blanches, hein, moi, j'ai pas de problème. Mais je sais pas si ça peut le faire. Si vous savez, je veux bien que vous me donniez votre avis. Ça serait cool. Voilà, alors ça c'est donc ce que j'ai commandé cette semaine. J'ai commandé avec ça, j'ai repris des aiguilles circulaires en 2,5 mais en 80. Parce que j'aimerais, je sais même pas quelle marque c'est. J'aimerais essayer de faire tricoter deux chaussettes en même temps. Ah, c'est du Adi. Moi je ne connais même pas. Hein. Adi, ça va être les premières que j'utilise. Donc, ouais, Adi Premium. Donc, à voir ce que ça donne. Moi, je connais pas les Adi. Donc, voilà. Et puis, c'est tout, hein. Après, j'ai eu des petits livres de butinette. Voilà. Donc, j'ai regardé parce que c'est. En fait, c'est top parce que dedans, bah, ils présentent tout leur matériel, quoi. Voilà, par exemple, ils présentent vraiment bah, tout ce qu'ils ont sur leur site. Donc, c'est quand même cool d'avoir un catalogue comme ça. Et puis j'ai eu aussi, donc ça c'est 2021-2022, là c'est printemps été 2021, 2022, voilà. Et puis bah, c'est pareil, hein, ça présente des tissus, hop, ça présente, ouais, c'est chouette, c'est bien d'avoir un petit des trucs de broderie. Kit de broderie. Ah oui, ça c'est du diamond painting. Ok. Ça j'en ai encore, mais j'avance pas. Diamond painting pour vous montrer. Je pense que vous connaissez, mais je vous montre. C'est ça.
Voilà, on colle des petits diamants, quoi. Mais j'avance pas. J'ai commencé ça il y a déjà un moment. Et mon petit dessin, c'est ça. Voilà. Et je prends pas le temps de le finir. Enfin voilà. Donc ça, c'est ma petite commande de cette semaine. Et ma petite chaussette démarrée. Donc une fois que j'aurai fini celle-là, et ben j'en démarrerai une autre. Sachant que j'en ai d'autres d'Hélène à chaussettes. Mais maintenant, ouais, j'aime bien en fait. Je me suis laissée prendre au jeu de la chaussette. Et ça me plaît bien. Et je le balade dans mon petit sac fait de laine. Oui, parce que moi, j'ai pas de lait de. Je vous avais dit dans un précédent vidéo, dans une précédente vidéo, j'ai pas de sac à projet super beau et tout là. Je voudrais essayer de m'en faire, en fait. Parce que j'ai tout ce qu'il faut. Je sais faire des sacs. Mais il faut juste que j'ai le temps. Toujours. J'en avais parlé déjà à Noël et en février. Je perds pas espoir, je vais y arriver. Hein. Donc voilà pour la partie chaussette. Ensuite, mon pull marine. Alors, je vous montre où j'en suis. Alors, j'ai l'impression que ça n'avance pas. C'est terrible. J'ai l'impression que ça n'avance pas. Voilà où j'en suis. Mais bon, si, ça avance, hein, parce que. En fait, c'est un pull avec une grande encolure là, où il va y avoir des boutons là. Voilà. Et donc, la dernière fois, je vous l'ai montré. Donc, la semaine dernière, j'ai mis un petit. J'en étais là. Donc, j'ai quand même avancé. Hein. Mais bon, pour une semaine, je me dis, c'est pas terrible. Hein. Voilà. Vraiment, quand je travaille, j'ai pas assez de temps. Bon, après, la difficulté de ce point-là. Non, ça fait une drôle de couleur là. Il est raté ou comment ça se passe? Ah non, c'est. Ah oui, c'est la laine qui est plus foncée. Ah non, mais j'ai un truc là. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un bout de fibre. Ah, c'est peut-être là où j'ai changé de laine. En fait, je ne vois pas trop le changement de laine, mais j'ai l'impression que j'ai un petit bout de fil là qui se balade. Je sais pas si on va le voir là. Oui, petit bout de fil là. Bon, je regarderai après. Mais comme c'est du point des demi-côtes anglaises, bah, c'est assez long quand même. Et je sais plus combien j'ai de mailles. 200 avec des bananes, 250 ou 260, je me souviens plus. Tout dans le genre. Voilà. Et là, je dois avoir 33 cm sous l'emmanchure. Hop. Et je dois être à 27, 20, non, peut-être 29. Voilà, donc j'arrive au bout. Et après, il y a des côtes normales, mais en plus petites aiguilles. Voilà, donc ça tient le bon bout. Alors, en termes de laine, j'en suis. Là, c'est mon deuxième écheveau. Elle, je ne sais plus, ça doit être la troisième. Troisième, je crois. Il me reste encore un écheveau. Donc je pense qu'en termes de quantité, on devrait être pas mal. Mais bon, j'ai toujours une inquiétude, moi, de pas d'être juste. Mais en même temps, quand il me reste de la laine, ça m'agace aussi parce que je ne sais pas comment faire. Donc bon, pour l'instant, ça va. Je ne m'inquiète pas. Ça devrait être fait. Ça devrait être bon, quoi. Voilà. Je suis assez contente. Ça avance quand même. Enfin, ça avance. Il y a 2 secondes, j'ai dit que ça avançait pas vite, mais. Oui, je trouve que ça n'avance pas assez vite, mais bon, ça avance quand même. Malgré tout, c'est super long. Oh, puis j'ai fini ma chaussette. Puis j'ai fait du filage. On ne peut pas tout faire en même temps. Voilà pour le pull marine. Donc, le pull marine, cette semaine, bah, j'aimerais finir le corps, déjà. Je ne vais pas dire trop parce que j'ai les chaussettes aussi. Donc, j'aimerais bien finir le corps. Donc, les quelques centimètres encore de côte anglaise et faire les côtes en 3. Au moins, ça, ce serait bien. Donc, on verra la semaine prochaine si j'ai réussi ce petit défi. Et puis, en termes de chaussettes, bah, j'aimerais au moins finir celle que j'ai commencée. Ce serait pas mal. Voilà. Et puis, à faire un petit peu de filage. C'est vrai que le filage, ça me prend un petit peu de temps. D'ailleurs, j'ai Gaëlle, coucou Gaëlle, qui m'a demandé combien de temps je mettais pour. Alors, j'ai pas pesé. Je vous l'écrirai parce que j'irai peser la fibre. Je ne sais plus combien j'ai. Combien de temps je mettais pour faire voilà, mes petits écheveaux comme ça. Sachant que je n'ai pas beaucoup, beaucoup en quantité. Je dois avoir une quarantaine de grammes de fibres à peu près. Donc je me suis amusée pour le dernier
à compter le nombre d'heures que j'y suis passée. Donc là, j'ai passé à peu près 5h30 pour le faire. Donc voilà le dernier en date. Donc, vraiment, je commence à vraiment être très très contente du résultat de mon fil. Il est relativement régulier. Alors, s'il y en a, j'ai vu là, celui-là, là, hop, je le vois plus. Où est-ce qu'il est? Il y en a un qui est moyen, là. Voilà. Enfin, moyen. La fibre, c'est un peu écarté. Et là. Là aussi, là, c'est très très écarté. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Je ne sais pas. Est-ce que c'est la fin du fil? Ce qui est possible. Voilà. Mais sinon, franchement, c'est les deux petits trucs que j'ai vus. Sinon, c'est plutôt joli, je trouve. Hop, c'est flou. Voilà. Donc là, j'ai mélangé encore des couleurs assez éloignées pour faire un truc chouette. Parce que vraiment, celui-là, il est trop beau. Ce mélange est magnifique. Et j'ai eu envie de, voilà, de faire un truc aussi un peu bariolé. Et je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Voilà. Là, c'est mes plus. Ça, c'est les trois plus. Les plus réussis. Ça, c'est les trois. Mes trois écheveaux dont je suis vraiment, vraiment fière. Je trouve vraiment, vraiment beau. Autant sur les coloris que sur le rendu du fil. Voilà. Si je prends ceux d'avant, ils sont chouettes aussi, hein, mais je les trouve un petit peu moins réguliers. Mais ils sont quand même chouettes, hein. Voilà. Donc, le filage, ça continue tout doucement. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste? Donc ça, c'est toujours les petites potions, hein. Alors, je suis désolée, ça me coupe la tête parce que j'ai mes petites affaires là. Voilà. Et j'aurais dû les avancer. Donc là, moi j'ai un petit panier que je me suis fait au crochet où je mets mes petites fils quand elles sont prêtes. Donc là, finalement, ceux-là, je ne les ai pas mélangés avec la couleur de base. J'ai voulu être un petit, voilà, j'ai voulu mélanger un peu plus les couleurs. Au début, je voulais prendre la couleur qui tire plus vers le vert. Si vous voyez là, hop, voilà, celle qui est plus vers le vert, je voulais la mélanger avec ça. Et en fait, j'ai voulu mélanger pour voilà, obtenir quelque chose d'assez bariolé, et je trouve ça très joli. J'aime beaucoup. Donc, du coup, il me reste, donc celle-là que j'avais préparée, et il doit plus me rester grand-chose, hein. Il me reste de quoi faire trois fils. Donc, il me reste celle-ci. Il me reste une comme ça. Alors, je ne sais pas si je vais les mettre ensemble. Possible, je ne sais pas. Et ensuite, il me reste, pardon pour le bruit, je me pousse. Il me reste ces deux-là. Je ne sais pas trop si je vais les mélanger ensemble encore. Hein. Ouais, ces deux-là. Et puis, il me reste ces deux-là. Donc, c'est comme ça que j'avais prévu dans un premier temps pour les mélanger. Celles-là, je vais peut-être les laisser ensemble parce que par rapport à ce qu'il me reste, c'est pas évident, hein? C'est pas évident. Mais c'est trop chouette, franchement. Bon, je rangerai après, ça fait du bruit. C'est trop chouette de créer son propre fil. Je m'éclate vraiment à faire ça. Vraiment, vraiment. Donc voilà côté filage. Et donc les fameuses petites blanches, c'était pour mettre avec ça. Mais bon, je suis pas sûre. Non, je pense pas que ça va le faire. C'est pas du tout le même. Celle-là, elle brille. Donc ça va pas le faire du tout le mélange. Je crois que celle-là, vraiment, je vais garder pour les chaussettes. Donc il faut que je trouve une autre fibre. J'ai pas mal de personnes qui m'ont aussi. Alors moi, j'avais parlé de le faire blanc ou écru. J'ai d'autres personnes qui m'ont dit bleu. Alors bleu marine certainement, parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mélange de couleurs. Ou alors j'ai quelqu'un aussi qui m'a dit avec celle-ci que j'avais présentée également que ça pourrait peut-être le faire. Bon, sachant que vous ne savez pas ce que je vais faire avec, je vais faire une étole. Voilà, l'idée c'est de faire quelque chose avec une couleur centrale.
principale, et puis de mettre toutes mes fibres filées avec ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit avec ça, mais c'est vrai que ça pourrait passer avec ça. En plus, elle est douce, cette laine. Après, en termes d'épaisseur, je ne sais pas trop. Si j'en prends une qui est un petit peu moins fine. Ouais, je ne sais pas trop si ça peut le faire. Possible. C'est pas évident, hein? Je n'ai pas l'habitude. Donc voilà, on va voir. Mais du coup, je me suis fait livrer du fil qui ne va pas avec. Mais bon, c'est pas très grave, je saurai quoi en faire. Enfin, j'espère. C'est vrai que je pense que j'essaierai pour des chaussettes. Dites-moi. Et il y a aussi une chose que je ne vous ai pas montrée, que j'ai achetée hier, parce qu'hier, nous sommes allés. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on était au magasin de bricolage. Et puis, on est passé à Truffaut. Donc, j'ai fait du jardinage. C'était super sympa. En plus, il a fait très, très beau. Donc, c'était bien cool. Je vous mettrai quelques images à la fin pour vous partager ça. Et pour vous donner pour vous montrer les résultats. Et donc, on est allé à Truffaut pour acheter donc des végétaux. Et puis, j'ai pris une petite laine comme ça. Donc, ça va être pour faire comme les gants de crin, là. Voilà. Donc, je vais faire ça. Voilà. Donc ça devrait être plutôt chouette. Bon, je ne sais pas si vous entendez mon mari parce qu'il est au-dessus de la pièce là, au niveau de sous les toits. Et on entend vachement bien. Donc bon, j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant. Voilà. Je crois que je vous ai rien oublié. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Pour les prochains sujets que je vais faire. Donc j'ai toujours le châle Vague à l'âme dans ma playlist, enfin dans ma playlist, dans ma liste de choses à faire pour 2022. Mais je pense que lui, je le ferai qu'en septembre. Parce que comme il est très très gros, je ne vais pas en avoir l'utilité maintenant. Je vais le finir et je vais être frustrée de ne pas pouvoir le mettre. Donc je vais attendre septembre. J'ai un autre châle qui m'a gentiment été offert. Celui-là, je le ferai peut-être plus cet été. Là, ce que je vais faire. Je voudrais refaire sur un Trescao parce que j'aime bien ce modèle-là. Et je vais faire un cadeau pour mon mari. Et je vais faire le col. Alors, je vous mettrai une photo. Donc, je vais faire ce fameux col. Normalement, j'ai la laine qui pourrait être sympa parce qu'elle est très sensible à la laine. Donc, je ferai en acrylique. Je vais vous montrer la laine. Alors, normalement, il faut trois couleurs. Mais là, j'en ai deux. Est-ce que je vais rester là-dessus? Ah, j'ai peut-être la charisma. Ah oui, mais la charisma épique. Épique. Donc, je ne pourrais pas mettre la charisma. Épique au cou. Je pense que j'utilisais donc la royale, que je ne vais pas utiliser. Vous me l'avez fortement déconseillé sur un pull, parce qu'elle semble qu'elle bouloge très très vite. Donc, pour un col, je pense que ça sera pas mal. Et puis, bon, je pense que ça devrait le faire. Je le mettrai à l'intérieur. Parce que c'est un col qui est doublé. Donc je mettrai pour l'intérieur et éventuellement le bord. Et mettre ça pour le dessus qui se mélange avec celle-là, je crois. Moi, je ferai un truc comme ça. Voilà. Et donc ça, son anniversaire, c'est au mois de mai. Donc il faut que je le fasse. Ça me laisse un petit peu de marge. Et j'ai vu qu'il était en français. Et je pense qu'il était qu'en anglais. Et en fait, il est aussi en français. Donc, du coup, ça facilite un petit peu quand même la compréhension. Donc, ça va être le prochain. Après mon pull marine, je vais faire le col. Et après, je ferai. Ou en même temps, je verrai le Trescao. Et le Trescao, je vais le faire avec ma laine de chez Eve, tache de fille. Et j'ai un autre petit pull. Enfin, c'est un t-shirt pour le coup. Et le t-shirt, je voudrais aussi l'engager assez rapidement pour cet été. Je vous mettrai une photo parce que je ne me souviens plus du titre. Ça fait un moment que je veux le faire. Donc, je vous mettrai la photo. Et ça, je vais le faire avec une des laines Célène que j'ai achetée à Malakoff. Voilà. Donc, vous voyez, la liste, elle s'alourdit hein, parce que je n'avais pas tout ça au mois de janvier. Donc, je vais les rajouter sur ma liste. Et puis, on verra ce qui sera fait ou pas fait ou repoussé. Voilà, c'est ça qui est plutôt chouette aussi, c'est de noter et de voir un petit peu ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Voilà,
Eh bien, écoutez, cette fois, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur mes petites avancées tricot. J'espère que vous, de votre côté, vos sujets avancent comme vous le souhaitez, hein, parce que c'est un petit peu le but, hein, c'est qu'on arrive à faire ce qu'on a envie de faire, même si on aimerait toujours un peu plus de temps pour la partie créative. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée, soirée, semaine surtout. J'espère que de votre côté tout va bien, que vous profitez des beaux rayons de soleil. En tout cas pour la région parisienne, cette semaine va être magnifique en termes de temps. Alors pas de température parce qu'il caille quand même, hein, mais par contre il y a du soleil, donc ça c'est juste génial. En tout cas, je vous remercie encore d'être là, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.